bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner sur un nouveau parcours de pêche qui vient juste d'être labellisé. Donc ce parcours de pêche, il se trouve sur le canal du Nivernais. On n'est pas très loin de Châtillon-en-Bazois. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport au parcours tout de suite, puisque le président de la PPMA locale, il va venir me rejoindre dans la matinée pour m'expliquer un peu les travaux qui ont été réalisés et puis comment s'organise un peu ce secteur de pêche. Donc là, je suis devant la partie la plus large. Donc c'est pas forcément celle que je vais pêcher, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas pris mon matériel pour pêcher au feeder. J'ai pris uniquement la canne au cou. J'ai une canne feeder, mais j'ai pas ce qu'il faut pour pêcher avec des cages. Donc je vais passer mon dipper. Je vais essayer de trouver une place où je peux poser de l'amorce proprement à 13 mètres, sans être embêté par la végétation. Parce que là, le problème, j'ai regardé un peu les bordures. Alors il y a beaucoup de poissons, mais par contre, il y a pas mal de nénuphars et pas mal d'accros. Vu que le parcours est tout neuf, je pense qu'il y a un peu de branches qu'on finit sur les premiers mètres de la bordure. Et ça risque d'être un peu compliqué s'il y a des gros poissons à prendre. Par contre, je suis allé voir des carpistes qui sont au milieu du secteur. Et ils ont fait une super belle carpe koi cette nuit. Et puis pas mal de départs. Alors pas des énormes poissons, mais apparemment, il y a vraiment pas mal de touches. Donc c'est un secteur qui est vraiment sympa. Voilà, donc comme d'habitude, sur tous les secteurs labellisés, on peut rouler le long du canal. Il y a même des places et puis il y a surtout des tables pour pouvoir pique-niquer. Et c'est un secteur de nuit où on peut pêcher les carpes en batterie. Voilà, donc je vais essayer de trouver une place pour m'installer. Et puis je vais me dépêcher de pêcher puisque ça a l'air vraiment sympa. Et j'espère qu'il y aura quelques poissons à prendre. Voilà, donc je suis venu sur la deuxième partie du secteur, j'ai roulé un petit peu, j'ai regardé un peu tout ce qui se passait, et c'est vrai que cette partie-là, qui ressemble un peu plus à un canal, on va dire normal, sauf qu'il est un peu plus large que la moyenne. Là, ici, je vais pouvoir pratiquer une pêche à la canne, on va dire assez classique, à 13 mètres avec de l'amorce. Il y a beaucoup moins de végétation sur la bordure, alors comme ça, au premier abord, il y a l'air d'y avoir beaucoup moins de poissons. Mais dans la partie large, hein, qui a l'air très très poissonneuse, où j'ai passé à peu près une demi-heure tout à l'heure, je pense qu'il vaut mieux pêcher au feeder. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau sur la bordure, donc ça serait dommage de louper cette journée de pêche parce que j'ai pas choisi la bonne technique. Donc là ici, le canal fait à peu près 25 mètres. J'ai passé le dipper tout à l'heure, je pense que je vais faire un coup à 13 mètres. Et puis je vais peut-être faire un coup sur la berge de l'autre côté. J'ai quand même pris avec moi une canne feeder avec un clip plomb. Et je pense que je vais faire un coup de l'autre côté uniquement avec des graines. Histoire d'aller peut-être prendre un ou deux poissons bonus en fin de journée. Donc pour cette partie de pêche, j'ai même monté des lignes d'avance. J'ai monté 4 lignes pour la pêche d'aujourd'hui. Ce qui est vraiment énorme, hein, parce que ça représente à peu près un quart des lignes que je vais monter pour une saison. Le montage de lignes, c'est pas du tout mon fort. Comme vous le savez, moi je préfère aller pêcher. Mais bon, là il fallait que je prenne un petit peu de temps pour me préparer. Vu que je connais pas trop le parcours et que je ne sais pas les poissons qu'il y a à prendre, j'ai préféré assurer le coup. Et monter différentes lignes. Donc j'ai monté des flotteurs boules en 1,5 g et 1 g pour faire une pêche classique sur le fond. J'ai monté un flotteur capro qui va être une ligne vraiment à très gros poissons
Si jamais il y a des carpes qui rentrent sur le coup en fin de partie de pêche, au moins j'aurai une ligne assez costaud pour pouvoir les pêcher. Ouais. Et puis donc j'ai monté une ligne un peu plus fine avec un flotteur BR3. Souvent sur les plaquettes un peu difficiles, quand il faut tirer un peu sur la ligne, c'est un flotteur qui est vraiment très efficace. Voilà, donc j'ai monté beaucoup de petits hameçons pour assurer le coup au départ de la pêche. Après, on verra comment ça va se passer. Voilà, j'avais quand même pris avec moi une canne feeder. Donc en fait, je ne vais pas principalement pêcher au feeder. Ce que je vais faire un coup de l'autre côté avec uniquement des graines et quelques pelées. Je vais agrainer pendant ma partie de pêche, je vais agrainer dessus à la fronde, des pelées de 9 mm. Et puis sur la fin de la partie de pêche, j'irai faire un tour au feeder. Alors en fait, j'ai pris juste un clip plomb. J'ai monté un bas de ligne avec une petite baïonnette pour pouvoir mettre une micro-bille. L'idée, c'est de repasser sur le coup sans faire de bruit. D'amorcer, de mettre un bon tapis au spot comme je fais d'habitude. Et puis d'agrainer sur la journée de pêche tranquille. Histoire de peut-être de faire rentrer un ou deux poissons bonus, comme une belle carpe ou un carassin. Et puis c'est d'aller pêcher sur la dernière demi-heure ou la dernière heure de pêche. Après, tout ça, ça va dépendre également du nombre de passages de bateaux. Mais je me suis gardé quand même l'opportunité de pouvoir pêcher la berge de l'autre côté avec une canne feeder. Alors pour l'amorce, ben j'ai sorti mon amorce à gros poissons. Donc une amorce qui me restait de l'année dernière. Donc je l'ai décongelé, hein, je l'ai décongelé hier soir. Ce que je vais faire, c'est que je vais la remouiller un peu avec du tourteau de maïs. Et je vais également ajouter un peu de sirop. Voilà, donc ça va faire une amorce de couleur assez traditionnelle, un marron, de granulométrie assez grosse quand même, puisque l'amorce à gros poissons, elle est destinée quand même à faire de la grosse brème, de la tanche, de la carpe. Voilà, donc je vais laisser gonfler un peu. Alors je pense que je vais pas la remouiller parce qu'après elle va coller beaucoup trop. Mais je reviendrai mettre un coup de batteur dedans juste avant d'amorcer. Voilà, le fait de la réhydrater avec du tourteau de maïs. Bon, je l'avais mis à tremper toute la nuit, donc il est en crème, hein, il a plus de gros morceaux. Mais bon, ça la rend quand même assez collante, hein, puisque l'amorce était déjà mouillée à la base avant de la congeler. Voilà, donc là j'ai préparé l'amorce, hein, je vais laisser ça pour l'instant, et je vais préparer la terre, puisque là aujourd'hui je vais faire un petit tapis de terre sur le fond avant de poser mes boules d'amorce. Alors pour le tapis de terre, je vais utiliser la terre de rivière, pas de la terre de rivière, la terre que je ramasse généralement dans les taupinières. Bon, on dit que c'est de la terre de rivière parce que c'est une terre qui colle un peu plus, hein. Voilà, elle est assez granuleuse et elle colle énormément. Donc c'est une terre qui permet de libérer les zèches assez facilement. Par contre, elle nuage pas du tout. Donc cette terre, je vais ajouter dedans de la terre de somme. Alors ça, c'est une terre de somme assez spécifique. Donc c'est un copain à moi qui me l'a ramené, qui l'a ramassé chez lui. Donc c'est une terre ultra fine, qui est prête à pêcher. Elle n'a pas du tout été tamisée ni transformée. Et c'est une terre qui va nuager un peu et qui va permettre de garder les zèches sur le fond un peu plus longtemps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ces deux terres. Et je vais faire un tapis de terre avec un tout petit peu de fouillis de verre de vase. Donc c'est le reste de fouillis que j'avais au Master des Volcans. Je vais mettre également quelques asticots morts et puis quelques grains de maïs. Voilà, le but de ce tapis, c'est de faire venir les poissons, de les garder un peu plus longtemps sur le coup. Et surtout pas mettre trop d'amorce au départ. Parce que là, vu qu'on est en pleine période de fraye, le poisson a quand même vraiment du mal à mordre.
Donc je vais y aller tranquille sur l'amorce, même si j'ai un bon bac d'amorce, on ne sait jamais comment ça va se passer. Mais en tout cas, je vais surtout faire un bon tapis de terre au départ, au moins 6 boules, et puis après je mettrai dessus que 4 ou 5 boules d'amorce à la coupelle. Et je pense que je vais également faire un coup en bordure au kit à 5 bouts, pour voir s'il n'y a pas quelques poissons qui viennent sur le bord. Puisque c'est vrai qu'en période de fraye, le poisson a toujours tendance à se rapprocher des bordures. Voilà, donc on va mélanger ces deux terres. Voilà, ça va vraiment être parfait pour descendre des zèches sur le fond. Je pense que pour les plaquettes ou les brèmes, c'est vraiment super bien. Voilà, donc là j'ai monté toutes mes lignes, je suis pratiquement prêt à pêcher, il me reste juste à prendre le fond. Donc les zèches sont prêtes. Donc j'ai des vers de vase qui bougent bien. Donc ça c'est mon pote B2 qui vient de me les ramasser, enfin ils ont à peine une semaine. Ça c'est des vieux vers de vase que j'avais acheté pour le Master des Volcans, donc eux par contre ils sont un peu énormes et ils bougent plus beaucoup. Des pinkies, quelques gauzeurs, un mélange de gauzeurs jaune et rouge. Pour agrainer des grains de maïs bien sûr. Là j'ai des asticots morts noyés dans l'eau comme d'habitude. J'ai également pris des terreaux que j'ai ramassé hier soir dans mon composteur pour passer au ciseau éventuellement. Voilà, si jamais vraiment il y a des gros poissons. Un peu de fouillis de vers de vase qui me restait du Master des Volcans, donc que j'ai congelé, hein, qui est en très bon état. Et puis de l'autre côté, pour la berge en face, donc j'ai un mélange de spot mix que vous connaissez. Je vous remets le lien dans la vidéo. J'ai également mis un peu de maïs popcorn dedans. Donc c'est un maïs un peu plus rond, un peu plus petit. Et puis du pelet de 9 mm. Du pelet Ecstasy Elixir Fruit pour donc agrainer à la fronde pour la berge de l'autre côté. Voilà, donc pour l'instant j'ai préparé mes boules de terre. Où là j'ai mis du fouillis. Des asticots morts et quelques grains de maïs. Donc là, je vais poser 6 boules à la coupelle et après, je viendrai mettre mon amorce dessus. Voilà, donc le premier coup que je vais amorcer, ça va être la berge de l'autre côté. Pour ça, je vais utiliser une canne à spodée et puis je vais remplir mon spot. Je vais tartiner un peu de l'autre côté. Comme ça, après, j'y touche plus et je ferai juste une pêche d'agrainage dessus pendant que je vais pêcher à la canne et j'irai y faire un tour en fin de partie de pêche.
Donc on se retrouve avec Didier, le président de l'APPMA. Donc c'est le gardon du Bazois, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc Didier, tu viens ce matin pour nous parler un peu du parcours labellisé. Oui, un nouveau parcours labellisé et qui a été fait sur un parcours existant mais qui était en très mauvais état. Donc la fédération nous avait demandé en 2017 si on voyait des travaux d'amélioration à faire. On a proposé parcours de Queuillon et le parcours de Mingo. Donc celui-là là, ouais. Ouais, okay. Et comment ça a été adopté. Bon, il y a eu des démarches. Là, je voudrais remercier quand même le président Panier et son équipe qui ont bien œuvré pour obtenir des crédits pour faire ce parcours. Oui, parce qu'au niveau des travaux, je crois qu'on est vers les 300 000 euros, je crois. 300 000 euros, oui. Ah oui, ouais, c'est énorme, c'est quand même. Plus un supplément de 30 000 euros qui a été fait pour permettre à ce parcours-là de sortir sur la route qui est un petit peu plus loin. Ah oui, d'accord, oui. Hein, parce que c'était prévu une zone de demi-tour à une centaine de mètres derrière. Ouais. Et puis, c'était pas pratique. On a fait l'expérience avec le parcours de Queuillon, c'est pas pratique. Mmh, d'accord, oui, ok. Donc là, ça veut dire que le parcours, on peut véhiculer sans problème. Comme on veut, oui. D'accord, oui. Et puis vous avez fait donc des anses pour placer les voitures assez régulièrement sur tout le parcours. Comment, des zones de stationnement, voilà. Pour les campements, puis pour quand on vient à la pêche à la journée. On n'a pas pu faire tout ce qu'on a voulu parce qu'on est sur le domaine privé et ça entraînait un tas de démarches qui étaient plus ou moins prévues. Bon, mais enfin, il y a quand même de quoi venir stationner. Et puis alors vraiment, le cadre, c'est rare. Donc aussi, là, derrière nous, c'est la partie la plus large. Oui. Donc ça se prête bien à pêcher à la carpe en batterie. Oui. Et puis moi, je me suis mis de l'autre côté, donc qui est un peu moins large, plus pour pêcher à la canne au cou. Qu'est-ce qu'il y a comme poisson? Là, il a été vidé il y a 2 ans. On a remis de la carpe, pas mal de carpe. On a remis du carassin, on a remis de la brème, du gardon. D'accord. Hein. Okay. On a évité de mettre du carnassier. Ok. Et là, on peut pêcher ici toute l'année? Sans toute problème. Oui, oui. D'accord. Ouais. Et donc, c'est ouvert depuis début avril, c'est ça? C'est ouvert depuis, on a ouvert depuis l'ouverture du carnassier. Ah oui, d'accord. Le 30 avril. Ok. Parce que s'il fallait que les travaux se stabilisent. Oui, que les berges soient un peu reposées avant qu'on arrive. Oui, ouais, voilà. Ouais. Donc, non, logiquement, les vélos, ils passent de l'autre côté, on n'est pas embêté. Là, on n'est pas embêté. Enfin, il y en a peut-être des vélos qui vont passer, pas mais grave, enfin. Okay. C'était toujours la guéguerre un petit peu, d'un côté de l'autre. Bon, là, ça va quand même s'arranger. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas hors la loi quand on laisse nos véhicules au bord de l'eau. Exactement. Parce que sinon, on se prenait quelques prunes assez régulièrement. Bon, là, c'est vrai qu'on peut arriver. Là, derrière nous, il y a des tables pour pouvoir pique-niquer. Oui, il y a des tables qui ont été prévues dans le marché. D'accord. Et nous, l'APP, donc, on a cassé un petit peu la tirelire pour rallonger ce parcours. Ah oui. Et on a rajouté une table au bout sur nos fonds propres. On a été aidé par la caisse d'entraide de la fédération. D'accord. On en a mis une ici, on en a mis une sur le parcours de Queuillon. D'accord. Alors, le parcours de Queuillon, on en parlera lors d'une prochaine vidéo, parce que je reviendrai peut-être. Oui, faux, au contraire. Je sais, ouais. Bon, t'as vu, j'ai amorcé, donc là, je suis pressé d'aller pêcher. Oui, oui. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui. Et puis, j'espère que je vais faire du poisson. Alors, moi, je reviendrai pêcher sur la partie la plus large, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, je viendrai plutôt pêcher au feeder. Ouais. Parce que là, le bief, il est superbe pour pêcher au moulinet. En plus, on est à l'ombre. Ouais. Et puis je pense qu'il faut aller tirer dans le chenal qui est en face pour aller choper les gros poissons. Quoi. Ça va être la pêche, je pense, de venir là, parce que comment on arrive, cette année on nous prévoit quand même de la chaleur. Ouais. Là ça, on va être impeccable. Hein. Bon, ok. Voilà. Oui, alors sinon si on veut suivre les infos, je crois que tu as une page Facebook. J'ai une page Facebook, j'ai un groupe Facebook, d'accord. Le Gardon du Bazois, une page Facebook. Bazois pêche, parce que quand j'ai créé, je pensais que les APP à Val-Amont allaient pouvoir mettre les informations pour faire un groupement. Bon, ça va sûrement se faire dans l'avenir. Et j'ai une chaîne concurrente, une chaîne YouTube. D'accord. Voilà, le Gardon du Bazois. Le Gardon du Bazois. Je fais ce que je peux. Hein. Ok, ça marche. Je suis un ancien artisan, mais. Je suis pas cinéaste. C'est bien. Écoute, si tu reprends certains de mes abonnés, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis pas au même nombre. Oui, mais il n'y a pas de souci. Bon, ok, merci en tout cas pour tous les renseignements.
Et puis merci d'être venu. Ouais, bah, je t'en prie, hein, voilà. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, je vais essayer de faire quelques poissons. Voilà, fait. Allez, on y va, c'est parti. Donc là, on est sur la zone de pêche partagée sur la pointe du parcours. Et puis comme vous voyez, il y a une grosse, grosse place de parking. Et puis là, il y a une zone bétonnée avec une place pour pouvoir pique-niquer à l'ombre. Là, on est au milieu de la végétation. Donc c'est vraiment super bien. C'est une grande table, on peut manger à 8 ou 10. Et puis on est juste devant le canal. Donc ça, c'est vraiment top. Donc pour l'instant, je fais quelques poissons sur le cou à 5 mètres. Quelques petits rotangles, j'ai fait un tout petit carpo. Et je fais un agrainage à la main avec quelques gauzeurs à chaque poisson. Et puis j'irai faire un tour sur le cou à 13 mètres un peu plus tard. Voilà, pour l'instant, j'ai pêché uniquement mon coup de bordure avec un flotteur en 0,5, donc un flotteur, une forme très effilée. Bon, a priori, les poissons sont bien rentrés sur le coup puisque j'ai fait 2-3 plaquettes, un carassin, un carpo. J'ai fait un très gros rotangle que malheureusement, j'ai fait tomber à l'eau. Et là, je viens de décrocher un beau poisson. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer avec une ligne un peu plus costaud
où là j'ai un flotteur en 0,75, un flotteur à antenne interchangeable. Et là je vais carrément écher un grain de maïs pour voir si je peux faire quelques beaux poissons sur la morsade. Voilà, je vais profiter d'un moment où j'ai pas mal de touches. Voilà, donc j'ai pêché une heure et demie à peu près sur mon coup de 5 mètres. J'allais à 13 mètres, hein, j'étais en train de préparer un kit. Et puis j'ai vu quelques beaux poissons sur la berge de l'autre côté. J'ai lancé ma canne avec une micro-bille sur un montage aux cheveux. Et en fait, j'ai attelé direct un très gros poisson. Donc je pense que c'est une très grosse carpe. Mais c'est pas du tout un carpo puisque je l'ai vu venir au milieu, elle était vraiment très grosse. Je pense que c'est un poisson qui fait largement 6 ou 7 kilos. Et ça fait déjà à peu près 20 minutes que je suis attelé. Donc heureusement j'avais monté un bas de ligne assez costaud en 20 centièmes, en excellium, en me disant que s'il y avait des carpes, il fallait quand même que je sois monté assez costaud pour assurer. Mais je pensais pas qu'il y avait des si gros poissons. Et là, je sens dans la canne que c'est vraiment un poisson hyper puissant. Donc en fait, pendant la pêche, j'agraine régulièrement des pelés sur la berge de l'autre côté. Et puis, je pense que les carpes sont venues sur le spot que j'ai mis au début. Ah oui, c'est un très gros poisson. D'ailleurs, je pense que je vais changer ma tête d'épuisette tout de suite. Ça va être mieux. Et puis la tape papillon. Voilà, donc ça fait pour l'instant ça fait un beau poisson bonus. Purée, le steak. Yeah. Ah, sur une canne feeder en deux brins comme ça, assez light, je peux vous dire que ça envoie. Ça fait un sacré steak. On va mettre quand même un petit coup de peson
8,97 kg, donc il y a peut-être 200-300 grammes de tête d'épuisette. Ce qui fait un gros 8,5 kg à peu près. C'est un poisson qu'on va relâcher tout de suite, hein. On va pas mettre en bourriche. Je pense qu'elle est pleine d'œufs, à mon avis elles ont frayé il n'y a pas bien longtemps. Et puis de toute façon c'est un poisson beaucoup trop gros pour mettre en bourriche. Ah, il est vraiment une magnifique carpe, hein. Un super beau poisson, plus de 8,5 kg. Voilà, donc je vais essayer d'en reprendre une autre. Alors pour prendre les carpes, j'utilise donc une canne Method Feeder 1102Q. Donc une canne en 3,30 m, en deux brins. Là-dessus, j'ai un petit moulinet N-Zone en taille 5000. Donc un N-Zone plus LT. Et dessus, j'ai un nylon Match Feeder en 27 centièmes. Donc niveau montage, c'est vraiment très simple. J'utilise un clip plomb. Avec un petit plomb d'arlesé en 40 grammes. J'ai un bas de ligne en nylon excellium en 22 centièmes. Et puis là-dessus, j'ai un hameçon MP300 avec une petite baïonnette pour fixer les micro-bouillettes. Voilà. Donc un montage vraiment très simple. Donc on ne peut pas mettre de cage là-dessus, c'est juste pour pêcher au plomb. Faire un agrainage par-dessus comme je fais d'habitude quand je pêche les carpes. Donc là ici, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que ça ne fait pas beaucoup de bruit. Et sur ces poissons qui sont quand même pas habitués à être trop pêchés, c'est vrai que c'est bien de faire comme ça. Donc un gros tapis de graines au départ. Et puis après, j'agraine pendant la pêche avec ma fronde. J'agraine donc avec des pelées de 9 mm. Voilà. Et donc à l'hameçon, je mets des micro-bouillettes ou des bouillettes. Et au départ de la pêche, j'ai mis ma recette de spawn mix avec donc du maïs popcorn. Voilà, donc ça fait à peu près 2 heures que je pêche. Bon, j'ai fait 1h15 la bordure, j'ai fait pas mal de poissons. Et puis c'est vrai que quand j'ai voulu passer à la grande canne, j'ai quand même essayé, puisque j'avais vu quelques beaux poissons de l'autre côté. Et je suis resté attelé à peu près 30 à 40 minutes hein, quand même pour prendre cette belle carpe de plus de 8 kg. Donc là, je vais quand même pêcher à la grande canne, voir si j'ai du poisson qui est rentré sur l'amorce de ce matin. Puisque j'ai mis 6 boules de terre avec un peu de camelote dedans. J'ai balancé 6 boules d'amorce par-dessus et c'est vrai que j'y ai pas touché, j'ai rien remis. Donc peut-être que les poissons sont rentrés dessus. Et peut-être que c'est des poissons un peu plus beaux que sur la bordure. En tout cas, le parcours a l'air quand même assez prometteur parce que là, sur les 2 premières heures de pêche, j'ai fait quand même des beaux poissons sur la bordure. J'ai fait plein de touches de rotangle. J'ai loupé quelques poissons aussi, j'en ai décroché. Mais en tout cas, il y a de la touche, donc c'est vraiment pas mal. Je pensais que ça allait être plus dur que de l'autre côté, parce que l'autre côté est quand même plus large, il y a un peu plus de végétation, mais apparemment, cette partie du canal a l'air pas mal aussi. Donc j'espère que cet après-midi, ça va être assez prolifique à la grande canne. Là, il y a encore un beau poisson qui vient de monter, pile poil sur mon cou à 13 mètres. Donc j'ai bon espoir de faire des beaux poissons. J'ai relancé il y a 5 minutes, et j'ai eu une touche, hein, je pense que c'est une autre carpe. Hein. Tout de suite derrière la première. Bon, elle est plus petite hein, par contre. Hein. C'est pas du tout le même gabarit de poisson. Et bon, elles sont bien rentrées sur l'amorçage. Hein. C'est un poisson beaucoup plus petit, hein, mais qui est joli. Donc j'entretiens mon cou en agrainant avec des pelées de 9 mm. Voilà, que je tire sur la berge de l'autre côté, sans être vraiment très précis.
C'est vraiment un amorçage de zone. De toute façon, je pense que les poissons longent la berge naturellement. Donc, de toute façon, ils se trouvent sur le secteur. Depuis ce matin, je vois plein de poissons de l'autre côté. Belle petite commune bien énervée. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Ça, c'est un super beau poisson du canal. Une bouche qui n'a jamais été piquée. Magnifique. Donc, toujours pareil, un prix avec une micro-bille sur une baïonnette avec un montage avec le clip plomb. Bon, ce qui est vraiment bizarre, c'est que j'arrive pas à faire de poisson à 13 mètres. Donc tout à l'heure, j'ai remis quand même une coupelle avec de l'amorce. Mais par contre, le poisson est bien cantonné juste devant moi à 5 mètres. Je fais beaucoup de petits carpeaux. Et au travers, j'arrive à prendre une ou deux plaquettes. Donc là, je mets carrément une bouillette de 15 mm. Puisque les billes de 8, les chats ont tendance à un peu les pulvériser. Donc je voudrais être sûr que ça pêche. Donc là, une bouillette de 15. Normalement, il en reste un petit peu. Donc là, je vais y aller pour une petite demi-heure. Puis on va voir, parce que je viens de voir un ou deux poissons qui sont montés le long des herbiers. Donc je vais essayer de coller la ligne de l'autre côté.
Bah, la première grosse brème, bah, je l'ai prise avec une bouillette. En plus, une bouillette de 15 mm. Voilà, j'en ai pas fait à la canne des si grosses. Et puis, vu que j'avais pas de touche à 13 mètres, je me suis dit, je vais retourner voir au plomb de l'autre côté. J'ai mis une plus grosse bille et puis en fait, j'ai eu une touche à revenir, c'était une brème. Voilà, dès que je reviens sur le coup de bordure, je prends tout de suite des poissons. Et c'est pas le cas quand je pêche sur le coup à 13 mètres, donc ça c'est vraiment bizarre. À moins que les poissons soient vraiment bien installés sur l'amorce ce matin. Donc à l'hameçon, je mets un gauzeur rouge mort. Généralement, c'est ce qui me permet de prendre plus vite les poissons. Sur le coup de bordure, j'ai pas pêché au ver de vase parce que ce matin, il y avait beaucoup de petits rotangles. Et donc, je suis resté au gauzeur pour sélectionner un peu la taille des poissons. Et finalement, j'ai pas utilisé mes vers de vase depuis ce matin. Ouais, c'est vraiment des beaux petits poissons. Hein. Une belle petite carpe commune là qui se défendent bien. Donc là je les prends avec un petit grain de maïs sur mon cou à 13 mètres. Les poissons sont enfin rentrés. Et je traîne de 10 cm pour avoir les touches. Quand je pêche au ras du fond, je prends absolument rien. Puis j'agraine du maïs assez régulièrement. Alors le problème c'est que j'en ai plus. Donc de toute façon, ça va sonner la fin de la partie de pêche assez rapidement. Je vais retourner un peu sur la bordure pour voir s'il y a toujours du poisson. En tout cas là, le poisson était bien rentré à 13 mètres. Après bon, j'ai amorcé ce matin et j'ai laissé le coup. J'ai abandonné le coup pendant au moins 2 heures et demie, puisque j'ai pêché un peu au feeder. Et quand j'ai attelé la grosse carpe, j'ai perdu beaucoup de temps. Et puis je suis resté pêcher au moins 1 heure et demie sur la bordure. Donc forcément, j'ai pas trop entretenu mon coup. Voilà, les poissons sont bien dessus là. Hein. Donc c'est principalement des petits carpeaux. Qui ont vraiment la patate. Hein.
Voilà, donc j'ai remis la canne feeder pendant que j'étais en train de plier mes kits. J'avais complètement fini de pêcher. Et j'ai remis la canne feeder avec une bouillette de 15. Et c'est parti direct. J'ai juste fini de démonter mes kits et j'ai eu une grosse touche. Donc là, bah, je pense que c'est encore une carpe. Et en plus, c'est un joli poisson. Je me suis dit, je vais tenter le coup avant de partir, on sait jamais. Bon, malheureusement, je l'ai décroché. Je vais tout de suite remettre dedans. J'ai pas encore fini de plier. Donc, je remets une bouillette de 15. Toujours pareil. Sur une petite baïonnette. Avec un montage clip plomb, tout simple. Bas de ligne de 40 cm. Et on met ça sur la berge de l'autre côté. En fait, c'est vraiment un canal qui offre beaucoup de possibilités de pêche. Il y a une très belle pêche à faire à 5 mètres. Je pense que si j'avais pêché à 13 mètres, si j'avais entretenu mon coup pendant la matinée, les poissons seraient rentrés beaucoup plus vite. Et puis, comme vous voyez sur la berge de l'autre côté, bah, il y a quand même quelques poissons. Donc, j'y suis pas allé beaucoup dans la journée, mais j'ai quand même, là, j'ai touché donc une cinquième carpe. J'en ai fait trois moyennes et puis une très grosse ce matin. Donc il y a quand même vraiment du poisson. Je pense que c'est un très très beau parcours. Et les gens qui vont venir pêcher ici vont vraiment s'amuser. Donc j'essaierai prochainement l'autre partie qui est beaucoup plus large. Qui se prête beaucoup plus à pêcher au feeder. Parce que il faut aller pêcher le chenal de l'autre côté. Et la berge est quand même... pleine d'herbes et de branches, donc c'est vrai qu'à la canne c'est compliqué, mais je pense qu'au feeder ça le fait vraiment. J'ai discuté avec un copain qui a pêché hier, il a fait des très beaux poissons, donc je reviendrai à mon avis pêcher soit au feeder ou aux méthodes feeder, mais je suis sûr qu'il y a vraiment une belle bourriche à faire. En tout cas, en attendant, aujourd'hui c'était vraiment une super partie de pêche, et le fait d'aller chercher quelques poissons bonus, bah, c'est vrai que ça agrémente un peu la bourriche et c'est vraiment sympa sur la journée de pêche. Donc là j'ai vraiment passé une bonne journée, ça faisait longtemps que j'avais pas fait du poisson comme ça, surtout sur un parcours que je connais pas, et dans ma passion c'est vraiment ce que j'aime, c'est découvrir des nouveaux secteurs de pêche. Donc là je suis vraiment content de vous avoir fait découvrir ce secteur au travers de cette vidéo, et puis j'espère que vous aurez l'occasion d'y venir pêcher. En tout cas c'est vraiment sympa. Sur la journée de pêche j'ai fait maximum 10 poissons chats, donc c'est pas énorme. Je pensais que j'aurais été embêté un peu plus que ça, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça sur le bief. Enfin, de ce que j'ai vu aujourd'hui, en tout cas. Donc, je vais finir de plier avant de vous montrer les poissons. Je vais tarder un peu, hein, on ne sait jamais. Si je peux accrocher une nouvelle carpe, ça serait pas mal. Voilà, donc nouvelle touche. Dix minutes après avoir décroché le poisson tout à l'heure, ça vient de partir. Voilà, toujours avec une bouillette de 15 mm. Donc là, de toute façon, c'est la fin de journée. Le soleil est en train de retomber un tout petit peu. Donc je pense que c'est la bonne période pour pêcher les carpes. Donc là, les remonter sur le bord, c'est vraiment un très gros poisson. Peut-être pas aussi gros que celle de ce matin, mais elle a l'air vraiment pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que comme ce matin, je vais être obligé de changer ma tête d'épuisette. Je vais aller chercher là-bas avec la canne dans les mains.
Alors j'aurais pu garder la grosse tête d'épuisette, mais c'est vrai que quand on pêche au cou, surtout sur la bordure comme j'ai fait toute la journée, bon, c'est pas très maniable comme épuisette. Et je pensais pas que j'allais en reprendre une, c'est pour ça que je l'avais pas gardée à portée de main. Allez. Ah, ça y est, elle est dedans. Dernier poisson de la journée. Ah, ça, ça fait plaisir. Juste avant de rentrer, elle est encore plus grosse que l'autre. Elle est énorme. Allez, on va la mettre au tapis, on va faire un petit coup de pesée quand même pour voir ce que ça donne. Voilà, donc 10,3 kg, elle est à peu près 2 kg plus grosse que celle que j'ai prise ce matin au tout début. Voilà, donc ça fait vraiment un beau tapis de poisson. Une belle carpe commune. Bien sauvage comme on aime. Voilà, quelques belles brèmes. Voilà, il y avait également quelques carassins. Voilà, vraiment il y a des belles souches de poissons. J'espère que ça vous aura donné envie de venir essayer le parcours de Mingo avec ces beaux poissons. Voilà, en plus des deux grosses carpes prises au feeder, ça fait quand même une belle bourriche. Voilà, bah écoutez, surtout continuez bien à vous abonner puisque la suite arrive prochainement. Et puis, n'oubliez pas, c'est bien. Okay.